Gérer les enfants et être efficace au travail. C'est la grande préoccupation des femmes en général et de celles du Burkina Faso en particulier. De la femme urbaine à la femme rurale, toutes ont besoin que leurs enfants soient en sécurité lorsqu'elles sont au travail. Très souvent en ville, les femmes modernes arrivent à se trouver des jeunes filles qui s'occupent des enfants pour permettre aux mères qu'elles sont de mener à bien leurs activités. Qu'en est-il de la situation des enfants des femmes rurales? Comment parviennent-elles à prendre soin de leurs enfants pendant qu'elles sont au champ? Ces enfants sont-ils toujours à l'abri du danger? L'absence d'une personne qui veille sur l'enfant pendant que sa mère est au champ met parfois l'enfant en situation d'invulnérabilité. L'ONG Solidaire Suisse, dans le sens du travail décent qu'elle prône, ne reste pas insensible quant à la situation de ses enfants et de leur mère. Mettre à la disposition des femmes rurales des personnes qui les aideront à s'occuper de leurs enfants lorsqu'elles sont en activité est la volonté de Solidaire Suisse au Burkina Faso. Qu'est-ce qui peut alors justifier la présence de ces gens sur les sites de concassage? Nous pratiquons le concassage parce que nous avons bénéficié d'une formation sur la protection des sols contre l'érosion. Les cailloux que nous cassons serviront de cordons pierreux autour de nos champs afin de retenir les eaux de pluie. L'implantation des haltes-garderies au profit de la mère et de l'enfant rural aurait fait du bien. Voici ce qu'en pensent les bénéficiaires. Le concassage était très difficile pour nous avant. On voulait aider nos maris, mais avec les enfants, c'était compliqué de le faire. Les sites sont dangereux pour les enfants, car il y a des scorpions et même des serpents. Mais grâce à Dieu, avec la venue des garderies, il y a moins de problèmes. Avant, le travail avec les femmes était pitoyable. Elles portaient les enfants sur leur dos pour casser les cailloux. Il arrivait parfois que certains enfants soient victimes des piqûres de scorpions. Les femmes étaient obligées d'interrompre le travail pour s'occuper d'eux. Nous nous réjouissons d'avoir des personnes qui s'occupent de nos enfants pendant que nous sommes au travail. Auparavant, c'était un calvaire pour nous. On portait nos enfants au dos sous le soleil et cela rendait malade l'enfant et la mère souffrait de maux de dos. Et on était obligé de se rendre à l'hôpital chaque fois. Ces enfants sont gardés par des femmes aguerries puisqu'elles ont suivi des formations à la matière. Celles-ci décrivent ici le fonctionnement de leur activité. C'est Solidaire Suisse qui nous a désignés pour assurer la garde des enfants pendant que leurs mères sont sur les sites de concassage. Chaque matin, elles viennent laisser leurs enfants avec nous à la garderie avant de se rendre au travail. C'est nous qui nous occupons d'eux. Nous cuisinons pour ces enfants. Ils ont à leur disposition des jouets et ils ne pleurent pas. Quand un enfant a sommeil, il y a un espace où il peut dormir. Ceux qui sont éveillés jouent dans le hall. Lorsqu'un bébé pleure, nous appelons sa maman, puisque le lieu de travail n'est pas loin pour qu'elle vienne l'allaiter. Les haltes-garderies ne soulagent pas uniquement la femme rurale pendant qu'elle est au champ. Même lorsque les femmes sont appelées à des formations, leurs enfants sont entre les mains des personnes averties. L'année passée, j'avais mon enfant avec moi dans la salle de formation et c'était difficile de suivre. Il me dérangeait moi-même et mes voisins. Mais cette fois-ci, avec l'initiative des haltes-garderies créées par Solidaire Suisse, la situation a changé et j'ai pu assimiler. Solidaire Suisse a convoqué leur mère pour une formation et moi je suis là pour veiller sur les enfants afin qu'elles puissent bien suivre. Cette initiative des haltes-garderies constitue un réel avantage pour nous. Contrairement aux années précédentes, les mères et les autres participants peuvent bien se concentrer sur la formation. Maintenant que les enfants ne sont plus dans la salle, il y a assez d'espace et les séances pratiques ne sont pas perturbées. Pour les bénéficiaires, les atouts de cette belle initiative sont énormes
et ils ne peuvent qu'exprimer leur gratitude à Solidar Suisse pour cette œuvre salutaire. La garde des enfants a véritablement soulagé les femmes. Le fait que nous soyons des mères et ayant reçu une formation rassure les parents. Ils savent que leurs enfants sont en sécurité. Le soutien des Solidaires Suisses a donné un nouveau visage à notre travail. La peine qu'enduraient nos femmes et nos enfants est finie. Lorsque nous devons nous rendre sur les sites de concassage, nous laissons nos enfants à la garderie. Cela facilite énormément notre activité. Nos enfants sont bien gardés, ils ne pleurent pas, ils mangent bien et nous sommes à l'aise. Nous sommes satisfaits de la garde de nos enfants. Ils sont bien nourris, ils ont des jouets, ils sont à l'ombre. Plus rien ne les fait souffrir et nous vous en remercions.